Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien en ce début de semaine, les amis. Nouvelle vidéo un petit peu Halloween, nouvelle vidéo horrifique, tranquille, à la cool. On se retrouve sur Planet Coaster. À noter donc que demain, jour d'Halloween, ce sera la dernière vidéo d'Halloween. Demain, petite vidéo particulière, voilà, j'espère que vous allez l'apprécier. Alors souvenez-vous, la semaine dernière, on avait découvert un parc d'attractions horrifique absolument incroyable, absolument légendaire. Ça a été créé par Cree55Y et le parc s'appelait Asylum Horror Park. Et il s'avère, vous me l'avez dit en commentaire, j'avais pas fait attention, mais qu'elle a fait d'autres parcs horrifiques. Et les amis, on commence directement avec Mystery Ghost Mansion, qui veut dire donc la maison, le manoir mystérieux, fantomatique. Bref, donc voici... Bien plus qu'un parc d'attractions, c'est un coaster, c'est un train fantôme, c'est un dark ride. Voilà, donc on va se régaler. Elle a fait ça pour le Alton Towers Coaster Challenge, donc j'imagine un concours américain ou dans le genre. Et j'ai hâte d'aller découvrir donc avec vous ce dark ride qui est un coaster. Donc c'est pas un parc d'attractions, il n'y a qu'un seul coaster et c'est ça ce qui est assez excitant. Bonjour monsieur. Et nous allons rentrer par ici, c'est écrit en transe. Nous sommes bien sûr en transe devant cette vidéo. Donc nous allons rentrer. Déjà là, tous les détails qu'il y a, on s'en rend pas compte hein, franchement. Enfin si vous vous en rendez compte, maintenant je le sais hein. Vous avez vu évidemment Asylum Horror Park. Il y a de l'ambiance là-dedans. Mystery Ghost Mansion. Allez, on rentre. Je vais essayer, donc là c'est la sortie. Je vais essayer de pas trop dire parce que vous voyez c'est très visuel hein. Je vais pas dire oh regardez Naya. Par contre je vais essayer de prendre mon temps pour que vous puissiez tout admirer au maximum. Bien évidemment. Voilà, nous avons petit salon. Les salons qu'on aime bien. Voilà, ça c'est la file d'attente. Regardez-moi cette file d'attente absolument incroyable. Voilà, déjà là j'achète hein. Déjà là les amis on achète évidemment une file d'attente comme ça mon gars c'est tellement kiffant quoi. Ah oui tu passes par là d'accord. Là t'as un petit fantôme qui apparaît. Le petit feu. Incroyable. Incroyable me diriez-vous. De la fumée bien sûr d'ambiance. Ah j'ai pu apercevoir la station. Magnifique ça. Elle a utilisé des particules et en plus elle a mis le fond étoilé. Jamais de la vie j'ai pensé à ça, mais ça, la fusion fonctionne super bien. C'est deux trucs qui n'ont rien à voir et voilà, ça fonctionne super bien. C'est légendaire. Ah là 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 là. Ouh, regardez encore sur la gauche. Regardez encore sur la droite. Oh my god, il y a des tombes et tout. Oh là, ça s'ouvre. Magnifique. Allez, on est dans la station. Ah ouais. Ah c'est marrant ça. Même la station a été thématisée jusqu'au bout. Alors ça c'est vraiment superbe. Même la salle d'opérateur est vraiment dans une bibliothèque vraiment incrustée. C'est juste génial. Bah écoutez, on va rentrer directement. Oh regardez, on peut voir le coaster qui passe juste ici. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Quelque chose me dit qu'on va se régaler. Tout simplement, on va se régaler messieurs dames. Je suis en vue siège. C'est parti messieurs dames. Rien de plus à dire jusqu'ici. Très clairement. Jusqu'ici je ne peux rien dire, je vous laisse admirer, écouter, visualiser. Complètement dingue. On voit l'autre coaster.
complètement dingue. C'est très visuel et c'est très auditif aussi quoi. Les citrouilles bleues mec. C'est génial. En fait, il y a tellement d'éléments, mec. Il y a tellement d'éléments, mec. Tellement de détails. Je pense que... bon, pour vous, vous pouvez repasser la vidéo. Vraiment, vous pouvez remettre la vidéo encore plusieurs fois le passage. Non, c'est pas une technique pour le watch time. Mais concrètement, moi, pour ma part, il faudrait que je le refasse plusieurs fois, en fait, pour pouvoir vraiment tout analyser. C'est complètement dingue. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Alors, côté sensation, côté tout ça, puisque ça reste donc un coaster... est-ce que forcément c'est réaliste ou pas, je ne sais pas. Est-ce que c'est moins réaliste que le précédent parc avec les coasters, je ne sais pas. Ce qui est sûr c'est que en termes de fluidité c'est vraiment pas la question. C'était pas trop rapide non plus, donc en vrai de vrai les virages il n'y a aucun problème. Tout est, moi à mon sens, mais là c'est peut-être pas objectif, je ne sais pas. C'est vraiment, vraiment fou en fait hein. C'est vraiment complètement dingue. Le fait qu'on voit les autres wagons en plus à travers, là, derrière la station ici, je trouve ça mais vraiment légendaire. On a la sortie juste ici, voyons voir s'il n'y a pas des éléments en plus, on sait jamais. Là on sort par là, on a toujours de la déco. Toujours une très belle thématisation, il n'y a aucun bâclage. On a les tombeaux ici et on sort là, voilà, parfait. C'est vraiment formidable les amis. Parc d'attraction suivant. Et mesdames, messieurs, on enchaîne avec Grusel Egg, parc d'attractions donc qui a été fait fin 2022, fin de l'année dernière donc, et qui a été fait pour un concours d'Halloween par Random Planco, donc pareil, des concours qu'elle a participé. Encore une fois, un cri 55Y, créatrice de tout ça, franchement gros GG parce que c'est légendaire. Alors ça, ça se voit, c'est plutôt, c'est même pas un parc d'attractions, c'est plutôt, voilà, c'est le concours, hein, classique, même Banéif, hein, vous savez, quand il fait des concours, etc. Voilà, c'est les petites zones prédéfinies où tu dois faire un truc thématique, etc. Donc là, on voit déjà qu'il y a un coaster. Il y a peut-être des flat rides ici et là. Faudra voir. C'est possible. En tout cas, l'entrée de la zone, si je puis dire, m'a l'air d'être ici. C'est ça. L'entrée est bien là. Très bien. Ok. Alors, on va rentrer donc ici. Grusel Egg. C'est légendaire ça. Ça a été fait avec quoi? Avec des lampes carrées. Fallait y penser hein. Fallait y penser. Petite citrouille bleue et tout. Allez. Donc on rentre. On a un chemin à droite. On a un chemin à gauche. Allez, on va monter les escaliers à droite. Toujours de très belles ambiances. On a donc le coaster qui passe par-dessus. Incroyable. Avec thématisation des poteaux pour tenir le coaster. Vous avez vu. Incroyable. Il a utilisé des chaînes. C'est décoratif bien évidemment. Donc on descend ici, nous avons des points de restauration. On peut aller à gauche, on peut aller à droite. On va aller à droite. Einsans, c'est peut-être... là on a la sortie, c'est un flat ride. D'accord, c'est un flat ride. Donc on va rentrer dans la file d'attente de ce flat ride, qui est bien caché en plus. D'accord. Voilà le flat ride, très très bonne idée ça. Ça rend tout de suite le truc tellement intéressant quoi. On va continuer de suivre le chemin. Il y a des bancs un petit peu partout, très bien. Des points de restauration en face de quelques tombes. Ça, ça fait plaisir. Des petits corbeaux, des petites bougies. Ah, on arrive à une file d'attente ici. On a une file d'attente, je ne sais pas encore de quoi. On va y aller, on va monter. C'est peut-être le coaster. Vu la file d'attente. Ok, ça passe par là. Oh là là, regardez-moi tous ces détails. On arrive à la station et en effet, c'est bel et bien. Oh là là! Le wagon qui arrive. Donc c'est bel et bien le coaster. Bah écoutez, vous savez quoi, on va attendre qu'il rentre. On va se mettre à la place du Blake. Il s'appelle Blake, petit enfant. Voilà, et on est parti. On va, je l'espère, également se régaler. Je pense bien. Et on voit l'autre coaster, enfin l'autre wagon passer à droite. Et ça commence direct. Oh, la retournée. On est à l'endroit ou à l'envers là? Incroyable. Ouais. Il y a du décor en bas. Oh merde. Dingue. Alors là ça va être un piqué.
Alors, comment dire? Comment dire que je n'ai rien compris dans le sens où je ne m'attendais pas à ce que ce soit si long et si complet. What? Incroyable! Alors attendez, la sortie elle est où? Elle est derrière. Je sais pas comment c'est censé être géré, mais bon, on va dire que. Donc la sortie elle est derrière, tu descends par ici, aucun problème à ce niveau là. Tiens, on a un accès là derrière. Je pense que c'est. Ouais, c'est également une entrée. En fait, donc, il y a une entrée à cette extrémité là, une entrée à cette extrémité là. Très bien! Donc. Pardonnez-moi, on peut continuer par là. Donc là, c'était la sortie. On a encore des boutiques, des points de restauration, des petits bancs, les premiers secours. Donc le coaster qui passe par ici. Et en fait, tout se passe vraiment sous le parc, en fait. Hein. Le coaster se passe vraiment sous le parc. Tellement que je comprenais pas si on était à l'endroit ou à l'envers. C'est excellent, ça. C'est vraiment excellent. Très bien, très bien, très bien. C'est complètement dingue. Bonjour, monsieur le fantôme. Ouais, c'est fou ça. Complètement fou. Et on vient de faire le tour du parc. Ah là il y a un truc là. Là il y a un truc. Qu'est-ce que c'est? Ça mène à nulle part. Qu'est-ce que c'est? Il y a une file d'attente. Ah c'est par là. Mais non. C'est un parcours à pied. C'est un parcours à pied. Excellent. Comme à la fête foraine, mais en mille fois incroyable. Incroyable. Donc c'est un parcours à pied, tu prends les trucs dans la figure, plap 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 plap. Et je pense tu sors par là. C'est pas fini. Ok. Par ici. Oh là là. Faut aller où? Faut aller là. On passe sous le coaster et voilà. Alors c'était peut-être l'entrée ou la sortie, je sais pas, peu importe, dans tous les cas. Ah oui, c'était là l'entrée Fear, frayeur. Donc l'entrée c'était là, on est passé par la sortie mais c'est pas grave, vous avez compris le principe. Donc la sortie qui était juste là et en plus on voit le coaster qui passe à côté. Mais c'est une super bonne idée, bon vous avez tout compris. Hein. C'est incroyable. Et là on est de nouveau là où on est rentré du parc. C'est vraiment incroyable. Je vous propose de passer au dernier parc de Cree 55Y, Horror Castle, qui a été créé début 2022. Donc on peut se dire que c'est plus ancien, donc ce sera peut-être un peu moins bien. Ou pas, c'est ce qu'on va voir. Oh yeah, et nous voici Horror Castle, le pire accent qui puisse exister, donc le château de l'horreur. Je pense que c'est juste un coaster cette fois-ci du coup. Et comme donc le premier truc qu'on a pu visiter, donc on est en haut d'une colline un petit peu, d'une montagne, avec du coup ce fameux manoir, ce gros château. On rentre donc par ici avec la sortie et donc l'entrée ici. Mine de rien, ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air franchement plutôt pas mal. L'entrée est donc par ici, la file d'attente commence de manière... Vous voyez, on sent que c'est un peu plus ancien, je sais pas comment vous dire, c'est déjà très complet, hein. Le jour où j'arrive à faire ça c'est quand même fort, mais c'est très complet, mais c'est déjà différent des nouveaux trucs qu'on a pu voir. Mais quand même, hein, regardez-moi la tête de la station, franchement on est quand même sur quelque chose d'assez sympa, voilà, je pense qu'on peut le dire. Même l'opératrice là, elle a une petite citrouille à côté et tout, c'est bien mignon. Allez, on se met dans le siège et on va, je l'espère également, se régaler. C'est parti, ouverture des grilles. On se retrouve en prison. Ah ouais. Une petite propulsion peut-être. Non, pas forcément. Si tu veux monter crémaillère. Vers l'infini et au-delà. Oh là là. Le plafond qui est au sol, le sol qui est au plafond. Oh là 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 là. Wesh. Dinguerie. Pareil, les supports de rails customisés. Oh putain, Alice au pays des merveilles. Ah c'est dingue, je sais pas lequel je préfère entre les deux coasters purs là. Je dirais que le plus récent, le premier qu'on a vu, est quand même beaucoup plus au point.
Mais celui-là, il est super intéressant. Celui-là, il est quand même super intéressant, les gars. Alors, n'hésitez pas à donner une note en commentaire pour chaque parc qu'on a vu. Donc, le premier parc qui était donc un coaster, Mystery Ghost Mansion. Le deuxième, c'était Grusel Egg, donc la petite zone. Et puis, le dernier, Horror Castle, donc qui est également un seul et même coaster. Donc, c'est trois zones, trois parcs, trois coasters. Appelez ça comme vous voulez. N'hésitez pas à donner une note et faire votre classement du top 3, ceux que vous préférez. Complètement dingue. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Rendez-vous demain pour la vidéo finale d'Halloween. Également, j'espère que vous la kifferez. N'oubliez pas le like, très important. Et on se retrouve très vite. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.